Ok, petit Red Smite, salut YouTube. Du coup, bon, pour vous expliquer un petit peu, parce que vous, vous n'étiez pas présent lors des lives, dû à quelques suppressions de rediffusion, malheureusement j'ai dû refaire Akshan pour la troisième fois maintenant. Donc là, ce sera la troisième partie de Akshan que vous verrez malheureusement. Il y en a eu deux qui ont été joués précédemment, mais que je ne peux pas vous diffuser. Donc vous allez malheureusement devoir vous contenter de cette partie, et j'espère qu'elle sera aussi bien que les deux premières, puisque les deux premières s'étaient excellemment bien passées. Donc voilà, j'espère que c'est carré. Il y a des sups avec lesquels il est impossible de jungle, non. Il y a des sups avec lesquels c'est très difficile de jungle, style Alistar, mais j'avais réussi à gagner la game, donc c'est ok. Et il a quelle lettre? Là en gros j'en suis au champion qui me reste. C'est à dire que j'en suis plus à des lettres. J'ai fait absolument tous les persos de A à Z que j'avais. Et maintenant il me reste plus qu'à acheter entre guillemets les persos que j'avais pas. Donc typiquement j'avais pas Akshan, j'avais pas Aurélion Sol, j'avais pas plein de personnages. Et donc là je vais les jouer pour pouvoir notamment les refaire en fait. Pour pouvoir les faire et compléter en gros la liste des champions que j'avais pas. Ça me met pas à l'aise je pense de start ici. J'avoue que je suis pas hyper fan, mais... J'avoue que je suis pas hyper fan en raid start au bleu. En fait, je pense que je devrais peut-être start au raid si je veux avoir un bon début de clear avec Akshan. J'essaie de proc un maximum le passif. Ah. Bah là voilà, j'ai un petit problème là. Oh. Oh le brain. Je suis un peu cucked à mon avis. Je suis un peu cucked. OMG. Nice, nice, voilà, parfait ça, parfait. OMG, le move à 3000 IQ, putain. Attendez, ma caméra était mal placée. Faut que je vous la remette. Là, voilà, là on est mieux. OMG. OMG. Je m'en sors, hein, je m'en sors, hein. Vous savez que là, là avec Yana, elle se pose mille et une questions, elle se demande comment est-ce que j'ai fait pour escape. J'ai une illumination, hein, dernière frame, hein. Je me suis dit, mais attends, là je peux faire ça. Ok, bon par contre du coup j'ai perdu mon flash. J'ai perdu mon flash, je suis un peu late pour mon clear. Je suis même vachement late. Oh, la Kiana était là. Oh, ça reset et top et bot. Enfin, et top et mid. C'est que bot, je pense c'est dur pour moi de gank. Oh là là, ce. Oh, ce scuttle. Hein. Oh, il est long. Qu'est-ce qu'il est long, ce scuttle. Il a pas clear tes corbins, hein, mais c'est pas grave, je vais jamais les faire, les gants. C'est trop trop nul. J'ai essayé. Après 3 games de Akshan, j'ai théorycraft le personnage. Je sais que les corbins sont nuls à faire avec lui. Ça sert à rien que je m'y attarde. Quoi qu'il arrive. J'ai connu quelqu'un qui suivait les règles autrefois. Elle est morte. Ça fight au niveau du mid. J'avoue que j'aimerais bien join la bataille. OMG. J'arrive. En fait, je voulais pas join parce que bah genre s'il me voit il flash out quoi. Oh. Oh, je suis mort là non. Ok non. Ouais ça va. En vrai j'ai plus de survivabilité que ce que je pense. Ok. En vrai j'ai beaucoup plus de survivabilité que ce que je pense. Pour le moment elle m'aimait pas assez de dégâts la Kiana. J'ai peut-être un peu peur pour rien. Vas-y je vais essayer de gank mid. Je vais essayer de gank mid. L'avantage c'est que je suis fufu.
Je suis encore fufu. Ok, il flash out. Flash out, flash out, flash out. Je récupère, je prends. Est-ce que je peux aller bot maintenant? Oh, je suis là ward. J'aimerais bien prendre mon 4 avant de partir du mine. Parce que là, je vais pas clear. Ah, mais c'est que je peux. Là, je peux gank nulle part en vrai. Ouais. Je peux gank nulle part. Je suis un peu. Dans une mauvaise position. À moins que bot il fight vers l'avant, mais ça m'étonnerait, il y a trop de CS. Ok. Je vais faire ce camp là. Je vais back. Je pense que j'aurai assez pour mon carquois. Il me faut absolument l'item. Hein. Ah, je peux faire le scuttle en vrai qui va spawn là. Avec le smite, ça devrait aller. Ou alors je fais mon petit gank mid. Vas-y, je vais aller gank mid. Je vais aller try le gank mid. Je pense que ça peut passer. Vas-y, go. Oh, c'est vilain. Oh non, on a pas de chance. On a si peu de chance. Bon, en vrai, il a loupé, mais... Il a loupé, mais on a quand même pas extrêmement beaucoup de chance, quoi. Bon, je vais me régaler de cette wave, moi. Hein. C'est ok, hein. Ok, ok, je vais reset. C'est le kill faut max sur Akshan, non. Je pense pour clear la jungle, si tu max pas le Q, c'est doomed. Hein. Tu peux pas, en fait, tu perds trop de temps à essayer à genre tuer les autres. Enfin, hormis les monocans en gros, donc le gromp et les buffs, tu perds trop de temps à clear les wolves, etc. Je pense que c'est bien de max le Q. Dis à Silas de voler l'ulti d'Eri, c'est overbroken. Ah ouais, parce que c'est comme le R de Blitzcrank un peu. C'est comme le R de Blitzcrank. Salut Miral, j'écris pas souvent dans le chat, mais je tenais à te dire que l'émission du Bruit que t'as organisée était vraiment top. Pas de moment de flottement comme on a l'habitude d'en voir sur les autres émissions de Solari déjà organisées. C'est toi qui as tout préparé, on sent que t'as gagné. Et que t'as kiffé le care, force à tes futurs projets. Bah écoute, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. J'avoue que j'étais pas mal angoissé à l'idée de savoir si justement il y allait avoir des blancs, etc. Si jamais ça allait vous plaire. Et en vrai, je suis ravi que ça vous ait autant plu. J'ai reçu pas mal de messages qui me disaient que vous étiez plutôt satisfait overall. Donc je suis vraiment très content. Je peux dire un monde où je le tue pas là. Donc je suis vraiment très content, je suis vraiment content que ça vous ait plu l'émission. Et puis ouais, j'espère que dans le futur, si j'en refais une, qu'elle vous plaira tout autant. Et puis je vous remercie du soutien. Je vous remercie du soutien, ça fait plaisir. Ah, vous êtes vraiment des merdes à faire des copies pasta dans le chat. C'est hyper sympa de sa part, merci à lui d'avoir écrit pour la première fois dans le chat. Enfin, pas souvent il a dit, mais... Merci beaucoup en tout cas. Ok, normalement là je suis bien. Oh, ouais, j'ai pas beaucoup d'HP. Ouais. Ok, j'ai pas beaucoup d'HP. Je pense que je vais faire ce camp là. Et je pense que je vais reset. Hein. Il a un item avec sa canne. Ça coûte vraiment rien. Le glaive ombre là. Pour qu'elle l'ait déjà. Dommage. C'est ok hein. Elle prend le kill, mais bon, moi j'ai le chasseur de trésors, donc je récupère quand même pas mal de gold plus l'assist, c'est ok. Je vais faire un petit reset sur ça et ce sera très bien.
Vous êtes fait ban 600 secondes. Cheh à ceux qui ont mis les copypasta. Cheh. Ah, je pense que je vais prendre les bots. Je pense que je vais prendre les bots en vrai, en prio. Je pense que c'est trop bien d'avoir des bots. Si j'avais pu acheter l'item direct, j'aurais acheté l'item, mais j'avais pas assez, donc j'allais pas me prendre la tête. Hop. Hop, hop, hop là, hop, c'est pour moi. Ouais, on peut faire ça, on peut faire ça. J'avoue, les rals ça met bien, ça me permettra d'accélérer rapidement ma partie de jeu, je suis pas contre. Parfait, Sangle en plus récupéré dessus. Ok, on est bien. On est bien, on est bien. Elle avait fait mes camps. Okay. Ok, nice. Ok, parfait. En vrai, je peux venir en sneaky, mon pote. Hein. Vas-y, vas-y. Ah. Il est pas deux. Ok. Oh, je crois qu'ils sont pas mal là. Natalia est où? Ok, je l'ai. Je fais un reset, je mets mon R de loin. Oh bah alors là, qu'est-ce qu'on prend là, messieurs là? Qu'est-ce qu'on prend dans cette partie? On se fait déchirer par Moakshan Jungle là, je reconnais. Même à la mid, hein. Enfin, on aurait pu aller mid. Je pense que si ça avait été mid directement, on aurait pu prendre la tour. Mon Silas, hein. Oh, mon Silas. Mon Moakshan, hein, en légende. Hein. En légende, Moakshan en vrai, hein. Je vais faire l'âme du roi déchu en 2, je pense que c'est un item qui est hyper fort à TM. Et puis je vais aller look top. Je pense que je vais aller look top. Ah quoique, il a pas l'air de vouloir beaucoup fight. Il me faut une lane qui veut du sang un peu là. Une lane qui aime se battre, une lane qui aime la bagarre. Bot ça m'énerve, parce que il faut pas que... J'ai pas non plus envie de share l'Hérald avec tout le monde. J'avoue, je suis un peu en mode radin. Ah après ça se bat. Oh, ça se bat, y'en a qui arrive. J'y vais, attendez, je suis en sneaky là. Ok, j'ai eu peur. Tu savais que ça te prendrait le nez, pas vrai? Non. Ok. Il a TP. Je le tue, hein. Essaie de ne plus mourir, d'accord? Non! Oh! Oh! OMG! Merde. Non, j'ai raté les plates. Putain. En plus j'étais en mode je vais me régaler, je vais prendre une tourelle tout seul. Y'a plus de plates. Yeah, don't play it. It's not that good. J'ai motivé les mecs dans mon équipe pour qu'ils puissent le jouer, mais je pense que c'est une erreur, hein. Pas à cet elo, hein. À cet elo c'est trop compliqué, hein. Si jamais ils se murfent pas sur la partie de jeu, à mon avis, ils risquent de galérer. J'ai pas envie de les mettre dans un trap où je leur dis « Ouais, allez-y, les gars. Action, c'est trop fort. Action, les gars, c'est trop fort. Juste, piquez-le, en fait. Arrêtez de jouer des jungles classiques. Action, c'est la méta, c'est la nouvelle méta, en fait. » Tac. Oh là là. Oh, ce drift. Il est magnifique.
C'est parfait en vrai, j'ai full attack speed là, du coup je peux être full vitesse de déplacement, full kiting. J'ai bientôt un deuxième item. Je suis niveau 11, OMG hein. Je suis niveau 11. Là en vrai du coup je commence à clear beaucoup plus rapidement mes camps, c'est une dinguerie. Ouais du coup je suis censé être avec quelques niveaux de derrière. Mais bon bah vu que j'ai full kill on met 3 niveaux, 4 niveaux à l'opposant même. Donc c'est parfait hein. Enfin 3 du coup. Allez niveau 8. J'arrive mid. La bagarre. C'est moi l'assassin. Elle attache là. Attendez, est-ce que j'ai un angle? Est-ce que j'ai un angle? Un bel angle? Non, j'ai pas de bel angle. Ah, j'avoue, j'avais pas réfléchi à ça. Je voulais prendre un angle de drift, mais j'avoue, c'est un peu compliqué ici. Ça m'attriste un peu là. J'ai pas d'angle en fait. Simple type. Ah. Ah, c'était de la merde. C'était de la merde et j'étais obligé de le tenter et je voulais savoir ce que ça ferait. Le monde ne va pas sauver tout seul, vous savez. Faut que je prenne la tour mid en vrai. Ok. Bon, on va partir. Là, on joue un petit peu avec la limite. J'ai essayé. Je prends trop large à chaque fois. Le problème c'est que si je prends pas large, j'ai peur de faire un vieux truc de merde genre. Tu sais qui s'arrête instant. Du coup je suis obligé de. Enfin je prends large dans l'idée en me disant que de toute manière c'est peut-être mieux genre. Tu vois genre là, voilà exactement ça tu vois. Ok parfait, je back. Hello Amiral, merci pour ce concept de la jungle de A à Z, c'est ce qui m'a fait accrocher à soleil. Sérieux? Bah écoute, what the fuck? Bah écoute, merci bien, merci, enfin merci à toi pour ton message et puis je suis ravi que ce soit ça qui te soit, enfin qui t'ait fait accrocher à soleil. En vrai, quelle dinguerie! C'est mon concept. Plus 1. Ah ouais? Arrêtez les gars, arrêtez. Je n'aime pas tirer dans le dos des gens. Non les gens, arrêtez. C'est pour me flatter que vous dites ça. C'est pour me flatter, ça me fait extrêmement plaisir, hein, mais... Arrêtez, je vous connais. Je vous connais. Pas à moi. Regarde bien, ma carte. Ok, j'arrive. Je me mets en sneaky. Elle m'a pas vu. Elle me voit pas. Oh la catastrophe que ça y est, que ça faille être hein. Et voilà qu'une crapule de bas étage assassine vos camarades. Oh, quelle vie. Il a pas de dash là. Il a pas de dash hein. Ah. Il a un dash. Tous ces gens sont grappins. Allez, tapez-moi ça. Parfait. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'en vrai, en vrai on a le choix. Soit on fait l'item pénétration critique pour ensuite pouvoir nous orienter sur la lame d'inf en quatrième item. Soit on fait collector. Je pense qu'on peut faire collector en soi. Ils ont pas beaucoup de temps, qu'il y a juste Aatrox quoi qui va l'être un petit peu. Parce que là il a go Tabi, il va go probablement Death Dance. Ok, y'a rien. J'arrive. Je ne brise pas les règles, je les plie. Personnellement, depuis que Solari Amiral m'a présenté son nouveau concept, jamais reproduit nulle part depuis l'existence du jeu, je me sens bien heureux. Voilà, il fallait que je le dise, merci encore Amiral d'avoir. Ah, bon, bref, vous êtes des trollers. Vous êtes des trollers, c'est bon. Une crap-
crapules vous montrent des tas de choses. C'est qu'en plus, hein, j'ai vu le long message. Hein. J'ai vu le long message, le arroba Solari. Je me suis dit, putain. C'est forcément un message encore sympa et tout d'un mec qui me parle premier degré. Et gros, forcément, forcément, je me fais troll. Toujours. Et moi, je suis là, c'est pour la promesse du Brom Jungle. Non, mais ça y est, hein, le Brom Jungle, hein, je l'ai fait. Hein. J'en veux plus. Hein, t'es que je... Quand je pense qu'il va falloir que je le refasse, hein, mon dieu. Je vous jure, hein, je pense si on peut lock Nila, on va lock Nila. Hein, et pas notre vieux Brom là. Hein. Brom, on va le retarder le plus lent possible. Ok. Je back pas, hein, je back pas, je vais me fight. Oui, c'est bon, je vais me fight. Par contre, j'avoue, il se passe rien dans la game. Là, je suis en 8-0 depuis 10 minutes. Et la game est toute vide. Il se passe nada, quoi. Est-ce que je peux catch quelqu'un là? Non. Impossible. OMG. Mais vas-y! Ok, je l'ai red smite, du coup j'ai réduit les dégâts. Non! Oh. Gonash. Uno reverse! Ok, on a failli mourir. Heureusement qu'on a red smite à Kena. Je pense que si on avait pas red smite, du coup on serait mort. On serait mort du rise. On va peut-être galérer à le faire à deux, mon pote. Il va falloir Silas. Allez, c'est parti. Ça y est, je perds plus de temps. Ça tape ce Nashor, tapez-le. Parfait, on fait le Nashor, ça me permet de back, de récupérer mon collector et normalement, on voit tous les déchirer là, il n'y a plus de questions qui se posent. Parfait ça. Votre amour pourtant en revanche est réel, c'est pas du troll. Ah merci, ça fait plaisir. Merci, ça fait plaisir. J'ai connu quelqu'un qui suivait les règles autrefois. Elle est morte. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, la vilaine. Oh, j'ai troll. En fait, il faut pas que j'oublie deux choses. La première qui est importante, c'est que face check Kiana ne me servira à rien. En vrai de vrai, elle peut me tempo 90 années si elle le souhaite. Plus elle peut me cesser, donc s'il y a du backup derrière, je meurs instant. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'il y a Talia autour, je ne peux pas jouer. Donc il faut absolument que je définisse où est la Talia. Parce que si elle met un E, c'est injouable. Genre là, je ne pouvais pas m'en sortir. Quel est le pire champion jungle à ton avis? Franchement, il y en a pas mal. Je pense Alistar, ça en fait partie. C'est l'un des pires jungles. Nami, ça en fait partie. Sona c'était vraiment naze aussi. En fait Sona on aurait pu la gagner. En fait Sona c'est pas tant le perso, le problème c'est qu'il a besoin de scale. Et si t'as pas d'équipe, bah t'es cucked quoi. Yumi t'as pas fait. Non mais Yumi je suis persuadé que c'est bien moi. Tout le monde, non je l'ai pas encore fait, je le ferai en dernier épisode. L'épisode final, l'épisode où il faudra être là tu vois. L'épisode où il faudra pas le louper. Mais ouais Sona c'est juste que c'est dépendant de l'équipe. Pourquoi tu fais pas le l'IE? Bah c'est parce que l'IE là pour le moment je ne peux pas la... Enfin je pouvais pas la faire. En fait si je fais l'IE en deuxième, ça ne me donne pas 60% de critique. Et en fait l'IE ce qu'il faut savoir c'est que si tu n'as pas 60% de critique, le passif ne s'applique pas. Donc en fait acheter l'IE en deuxième, enfin sans avoir 60... Enfin à minima 40% de critique. Donc ensuite tu rajoutes ton IE et ça te fait 60. Ça ne sert à rien. Ça te fait juste perdre. Comment tu gank? Tu te poses sur un allié. T'inquiète pas mon pote. En gros c'est simple. Je pense, tu t'en fous de gank. Tu veux chercher un mec, ça va être lui ta win condition. Une fois que tu l'as trouvé, une fois que tu as identifié ta cible, tu veux essayer de l'aider, tu veux essayer de le mettre devant à tout prix. Alors tu n'auras pas potentiellement de setup de gank, etc. Tu n'aideras pas à tuer les gens. Mais en fait, on s'en fout de tuer les gens. Toi, tu veux heal le mec, tu veux lui donner, tu veux qu'il puisse récupérer toutes ses waves, tu veux qu'il puisse tuer tout le monde. Et je pense que 100% on la gagnera la game. Je troll zéro, genre. Et je pense que je suis même prêt à faire...
plusieurs games de Yumi jusqu'à ce que je gagne. Mais il y a un monde où genre une game me suffira, genre 100%. Je suis premier degré. En tout cas, je le pense. Après, peut-être que le jeu me montrera le contraire, mais. Vas-y, Gohan la game. Gohan la game. On les a vraiment déchirés en early, c'était une belle partie de jeu. Bien joué ça. GG guys. GG. Écoutez, parfait, on remporte une première victoire. Ça fait extrêmement plaisir ça. Et Star, comment ça peut être mauvais? Tu peux la jouer en mode Poppy Style, en mode full gank. Parce qu'en fait, tu ne peux pas faire un camp. Genre, le premier camp, legit, le premier camp, un seul putain de camp, ça prend genre une minute à le faire. Et du coup, bah en fait, tu te retrouves beaucoup trop derrière, trop rapidement. Et donc en fait, quand t'arrives niveau 2 que tu veux gank, tu fais un gank. Sauf que si le laner, il le gagne de base pas son matchup, et bah il ne te permettra pas de gagner le 1v2. Genre. Enfin, tu verras, c'est trop nul. Je pense que le plus dur ça va être de le faire accepter à ton équipe. Non mais ça vous inquiétez pas, on va trouver une solution. Ça vous inquiétez pas hein. Attendez, faut que je vous montre les dégâts. Faut que je monte les dégâts pour YouTube. Hop, alors on va check un petit peu. On fait 17 000 dégâts, on est premier de la game. Premier de la game, 17 000 dégâts en 25 minutes. Je pense qu'il y a mieux quand même en termes de damage output. Mais c'est pas